6-9 la matinale, matin sport. Sport. Et c'est avec vous Rostom Yahya Chrif, bonjour. Bonjour Soraya. Ça va? La vérité? Oui. Ou... Oui, ça va. Non, montez s'il vous plaît, montez. Ça va, ça va. On entame ce matin sport avec du tennis de table, l'Algérien qui est en finale du double dames donc dans ce championnat d'Afrique. Et ça sera dans moins de 45 minutes que la paire double dames Yasmine Bouhni et Melissa Nassri affrontera le duo égyptien champion d'Afrique en titre Hend Fathi et Hana Goda. Et il faut souligner qu'il y a eu hier 4 autres Algériens présents en quart de finale, d'abord en simple dame, où Melissa Nassri a été éliminée des quarts de finale par l'Égyptienne Youssra Helmi 4-7-0, et il y a eu l'élimination également par 4-7-0 de Maryam de Linda Al-Raibi, éliminée par l'Égyptienne Maryam Al-Houdaibi. En simple messieurs, c'est Milhan Jlouli qui a été éliminé par le champion d'Afrique en titre, l'Égyptien Omar Assaf. Donc je le rappelle, la finale de double dame, ça sera dans moins de 45 minutes avec la paire Yasmine Bouhni et Melissa Nassri qui affrontera la paire égyptienne Hend Fathi et Hana Goda pour, on espère, une quatrième médaille pour l'Algérie et on espère qu'elle sera en or. On l'espère. On passe au football suite cet après-midi de la 5e journée du championnat national de Ligue 1. Avec 4 rencontres au programme, Mouloudia Dalbayed qui accueillera le Najm de Magra à 16h également et ça sera à huis clos. Le CS Constantine accueillera la formation du Paradou Athletic Club à 17h45. Le derby du Sud entre l'US Biskra et la JS Saoura et à 19h l'affiche. Le Mouloudia d'Oran qui accueillera la JS Kabylie, deux clubs qui veulent se ressaisir et enregistrer une nouvelle victoire. On va d'abord écouter l'entraîneur franco-malien du Mouloudia d'Oran, Eric Schell. Ben, on n'a qu'une envie, c'est de gagner ce match ici à la maison. On s'est préparé pour, il y a eu des séances d'entraînement qui ont été intéressantes. Lundi, on a fait 2 entraînements, mardi, 2 entraînements. Ben, il y a un adversaire de qualité qui vient ici à Oran, qui reste aussi sur un mauvais résultat. Ils ont des bons joueurs, ils ont un certain fond de jeu. Nous aussi, maintenant, on est chez nous. On va devoir prendre le match par la meilleure des manières. Et puis, tout de suite, mettre ce qu'on travaille en place, très rapidement. C'était l'entraîneur du Mouloudia d'Oran, Eric Schell. On va à présent écouter l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Farid Zemiti, au micro de Mohamed Haouchine. C'est vrai que ça fait très mal. Tout le groupe, tout le monde a voulu enchaîner. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. C'est vrai que tout au long de la semaine, le coach a énormément parlé avec les joueurs, a aussi corrigé sur le terrain ce qui n'a pas marché lors du match contre le CSC. Et espérons que ça va se résoudre le plus vite possible. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de cette dernière défaite. Inch'Allah, on partira à Oran pour revenir avec un bon résultat. Mouloudia d'Oran, JS Kabylie, ça sera ce soir à partir de 19h et une rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur nos ondes. Et je rappelle qu'hier, le Mouloudia d'Alger qui a pris provisoirement la tête du classement en s'imposant 1-0 en déplacement face à l'USM Khenchela. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel, au micro de Hamza Rahmouni. Grand bravo à mes joueurs pour avoir su résister, conserver un résultat 1-0 à l'extérieur. J'ai envie de dire, peut-être pas pour les supporters ou pour les joueurs, mais pour un coach, c'est les plus belles victoires. Parce que 1, c'est marquer un but à l'extérieur et 2, préserver son but inviolé, comme on peut dire. Donc félicitations aux garçons, aux 11 titulaires et puis aux remplaçants qui sont rentrés, qui ont mis beaucoup de cœur. C'était Patrice Baumel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Il y a eu également la victoire de l'Entente de Septif à domicile face à l'Espérance de Mostaganem 1-0. L'Olympique Arbour tenu en échec 0-0 face à l'AS Ochlef. Et match nul dans le derby algérois 0-0 entre l'USM Alger et le Chabab Elie de Belouizdad pour le premier match sur le banc du Chabab Elie de Belouizdad de Abdelkader Amani qu'on va écouter. Il est au micro de Lotfi Benidir. Un derby, c'est pas facile. Moi, j'avais assisté à 2 séances d'entraînement. J'ai pas dirigé les entraînements. J'ai essayé de faire un petit constat de la situation de l'équipe. J'ai passé quand même 2 jours avec eux. J'ai essayé au moins de mettre les joueurs motivés, beaucoup plus les joueurs sur le plan mental. J'ai essayé de parler d'organisation qui est la seule solution pour la réussite et la suite de la compétition. C'est vrai, match derby, après un passage à vide, l'équipe n'a pas encore gagné. Bien espéré, il y a toujours un goût amer. Mais vu l'ouvrir qu'on a fait, je pense que malgré ça, les joueurs ont tout donné sur le terrain. Je ne peux pas les en vouloir, ils sont battus avec corps et âme.
Je rappelle le classement, le Mouloudia d'Alger qui est provisoirement leader avec 11 points, suivi de l'Olympique Arbout, deuxième avec 10 points. La troisième place, on retrouve l'Entente de Sétif et l'USM Alger avec 8 points. L'USM Alger, je rappelle, qui compte un match en moins. On reste avec le football pour parler de la Ligue 2, les leaders des deux groupes, Cal à domicile. On va commencer par le groupe Centre-Ouest où le leader, l'étoile de Ben Aknoun, a été tenu en échec un but partout hier par la formation du Chabab Yadi de Temouchent. On va écouter l'entraîneur de l'étoile de Ben Aknoun, Mohamed Mana, sur ce match nul. On a raté deux points quand même. On n'était pas mauvais dans le match. Vu la physionomie du match, on a dominé toute la rencontre. L'équipe adverse, peut-être, elle a eu une occasion qui a su profiter. On a raté beaucoup de buts après les 20 premières minutes. Deuxième mi-temps, on a bien joué. Mais dommage, jusqu'à la dernière minute, on aurait pu marquer le deuxième but. On va continuer à travailler. On a une équipe très jeune qui est en apprentissage. Il y a des joueurs chevronnés, il y a des joueurs surtout des jeunes. L'avenir sera meilleur pour notre équipe, Inch'Allah. De son côté, l'étoile de Ben Aknoun qui a eu de son côté son nouveau dauphin. C'est la GSM Tiaret qui s'est imposé un but à zéro face au Mouloudia Club de Wassili, profitant du match nul hors de ses bases de la GS El Biar. Un but partout face à l'USM Qaleha et l'US Béchar Jdid qui monte à la troisième place grâce à sa victoire à domicile de 1-1 face au SCAF Miss Meliana. On passe au groupe centre-est où le leader, le Moustaqbel Louisette, a été tenu en échec un but partout par le Hilal. Beladit Chelroum El Aïd. L'USM Anaba s'est imposé 2-0 face au Mok de Constantine et monte à la deuxième place conjointement avec l'USM Al Harrach qui est allé s'imposer 2-0 face au Cap de Batna. Justement, on va écouter l'entraîneur de l'USM Al Harrach, l'Arabi. Il est au micro, l'entraîneur adjoint de l'USM Al Harrach, l'Arabi, au micro de Ali Hamouch. C'était vraiment un match très difficile quand on a une équipe qui possède des joueurs qu'ils ont joué, d'expérience, qu'ils ont joué en National 1. On a suggéré le match. En première mi-temps, on a resté avec un bloc médium, avec des contre-attaques, on a pu marquer un but. En deuxième mi-temps, on a suggéré la deuxième mi-temps. On s'est reculé un petit peu derrière en formant un groupe médium et un groupe bas. Et on part vers des contre-attaques qui a conclu le deuxième but qui a tué le match. Bon, c'est une victoire très importante. Et autre équipe qui monte à deuxième place au classement avec 10 points, c'est le NRB Tlarma qui s'est imposé face à l'autre formation de Batna, le MSP Batna. 2-1, suite des rencontres du groupe Centre-Est aujourd'hui avec le Centre-Ouest, pardon, aujourd'hui avec le RC Kouba qui accueillera la formation du Wydad de Mostaganem. Ça sera à partir de 15h. 8h23, on va passer au handball avec la première journée du championnat Excellence Messieurs. Le championnat qui a repris hier pour sa nouvelle saison 2024-2025 Excellence Messieurs avec plusieurs matchs reportés ou non joués. Les détails avec Lotfi Benider. La première journée du championnat Excellence Messieurs a été amputée de plusieurs rencontres à l'image du groupe A où un seul match a été maintenu qui a connu la victoire du Chabab de Milan en déplacement face au ML Berika sur le score de 30-26. Le Chabab Zirout Youssef qui s'est déplacé jusqu'à Béchar pour affronter la JS Saoura n'a pas pu jouer son match en raison de l'absence des arbitres. Dans le groupe B, le Handball Club d'El Biar a gagné par forfait suite à l'absence de l'adversaire, en l'occurrence le Chabab Chelroum. Et sur les raisons de ce forfait, on écoute le président du Chabab Chelroum El Aïd, Issa Chmali, qui nous a confié que sa direction avait déposé une demande de report auprès de la Fédération algérienne de handball. Pour le reste des rencontres, l'Espérance de Skikta a battu en déplacement le nouveau promu, le RC Larba, 34-30. L'Olympique d'Annaba a fait le plein face au Mouloudia Dwet Lilet, 28-24. De même pour l'Ittihad de Wurgla, qui a battu à domicile le CS Bir Mourad Raï sur le score de 30-24. Par ailleurs, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia de Borj-Bouarelidj, ainsi que le vice-champion, l'Olympique d'El Oued, sont exemptés de cette première journée. Et merci à Lotfi Benidia pour tous ces détails. Et on passe à l'athlétisme avec aujourd'hui le déroulement du marathon d'Imdrassin. Les détails avec Malik Louahla.
Début ce samedi de la première course sur roue de la saison à travers la 14e édition du Marathon international d'Imed Racen, un marathon organisé par l'Association des Amis d'Imed Racen ainsi que par la Ligue bathnienne d'athlétisme. Nous avons pu avoir plus de détails par Hakim Larouil, l'un des organisateurs de ce marathon d'Imed Racen. Trois courses seront au programme. Le 13 km, le relais marathon qui est une course d'équipe partagée entre deux athlètes sur la distance du marathon, et le marathon lui-même sur la distance de 42 km, 195 mètres. Les organisateurs attendent la participation de plus de 1135 athlètes qui seront partagés sur les trois épreuves. Cette compétition qui a l'envergure internationale verra la participation de quelques athlètes étudiants universitaires représentant pratiquement 5 pays, entre autres le Mali, la Mauritanie, Sahara occidental, le Niger, des athlètes de la Tunisie et un Syrien. Programmant trois différentes distances, les organisateurs ont voulu offrir le choix aux participants de pouvoir concourir selon leurs capacités. Pour rappel, le départ des trois courses sera donné en même temps à partir de 9h du matin au niveau de l'Opov de Batna et l'arrivée du marathon sera au niveau du site archéologique d'Imed Racen. Soyez au rendez-vous. Rendez-vous. 8h27 Matin Sport, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et dans 6-9 matinale le week-end et on termine avec une chanson et le coup de cœur de notre cher Alostom. Mon coup de cœur est celui de Nabil Houssine qui m'a suggéré cette chanson, enfin suggéré, on la connaît tout cette chanson qui est sortie en 1997. Elle est légèrement plus âgée que moi cette chanson. c'est d'ailleurs de votre époque un peu. Oui. Les Backstreet Boys avec Everybody.